Terminal pétrolier d'Abidjan-Vridi en zone portuaire, site de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, geste aussi. Le ministre Abdourahame Cissé est venu ce mardi lancer les travaux de construction de la nouvelle sphère de stockage de gaz butane. Pour la circonstance, il est déguisé en soudeur. Nous l'évaluons aujourd'hui, la croissance de la consommation environ 10% par an. Pour soutenir cette croissance, il est important d'avoir des capacités de stockage. Parce que les bateaux viennent décharger le butane en Côte d'Ivoire. Il est bon que les bateaux puissent les décharger dans des cuves pour justement pouvoir avoir des capacités de stockage. La construction de cette sphère de stockage dénommée A22 intervient après celle de la A21 réalisée en 2013 par l'actuel staff managérial de la GESTOSI. L'ouvrage va coûter 4 milliards de francs CFA et sera livré en février 2021. Dès la création des GESTOSI en 1983, de l'activité des GESTOSI, nos capacités de stockage en gaz butane étaient de 2000 tonnes, réparties en deux sphères de 1000 tonnes chaque. Aujourd'hui, avec la construction de la nouvelle sphère qu'on appelle la A22 de 2000 tonnes, nos capacités de stockage en gaz butane passeront de 4000 tonnes à 6000 tonnes à partir de février 2021. Sur la période, par exemple, 2017-2019, si vous prenez la bouteille de gaz communément appelée la B6, donc la toute petite, elle est subventionnée à plus de 55% par l'État de Côte d'Ivoire. Tout cela font partie des mesures qui ont été prises par le gouvernement, par le président de la République, pour justement favoriser l'utilisation et la consommation du gaz butane. Sur la période 2012-2019, les capacités nationales de stockage sont passées de 9 800 tonnes à 20 000 tonnes, des capacités que le gouvernement entend renforcer avec la construction de nouvelles sphères, ce en prévision d'une demande croissante qui pourrait atteindre les 900 000 tonnes en 2030 contre 380 000 tonnes en 2019.